Hello tout le monde! Me voilà de retour avec cette petite chose. Ça va mon cœur? Ouais? Tu t'es rapproché? Oh, il est content. Il est content. On parle des États-Unis, il est content. Ouais. Alors oui, on va parler des États-Unis. Pourquoi j'ai ce t-shirt NYPD? Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le t-shirt de la police de New York. Ouais, rien que ça. Je suis allée aux États-Unis donc à New York et en Floride l'année dernière, et en fin d'année je vais dans l'Ouest américain, et j'ai une passion pour les États-Unis comme je vous ai dit dans mes précédentes vidéos. Alors je voulais vous faire un petit une petite vidéo donc pour ceux qui pensent partir aux États-Unis en voyage, et même pour ceux qui n'y partent pas mais qui aiment savoir un peu les différences de culture et de coutumes, etc. Alors donc les 10 faits étonnants lorsqu'on voyage aux États-Unis, c'est tout un programme. Attention, donc j'ai fait une sélection parce qu'il y a beaucoup plus de choses étonnantes aux États-Unis que ça. Petit 1, déjà, on ne rentre pas comme ça aux États-Unis. Il vous faut un passeport biométrique, très important. Bon, maintenant tous les passeports sont biométriques, mais il faut le savoir, il faut le payer, il faut le prévoir à l'avance. Déjà. Ensuite, il vous faut l'ESTA. Alors, l'ESTA, c'est un papier officiel qui vous permet de rentrer aux États-Unis. Si vous ne l'avez pas, vous n'y rentrez pas. Simple, c'est comme ça. Il faut le faire en ligne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous payez quelques dollars, mais c'est pas très très cher. Ensuite, il est valable 2 ans. Ensuite, une fois arrivé là-bas, et bien déjà, vous allez vous faire contrôler. Vous demandez pourquoi vous venez, si c'est loisir, si c'est etc. C'est assez compliqué. Il vous faut aussi un billet retour, sinon interdiction d'aller dans le pays. C'est un petit monstre qui vient de squatter là. Oh mon cœur. Oh c'est mon petit chouchou. Oh c'est mon petit chouchou. Ah non, tu commences? Tu recommences à être un petit dégueu? Attention, sinon je te sors. Ensuite, petit 2, les pourboires et les taxes. Alors, ça, si vous ne le savez pas, vous vous faites avoir là-bas. Donc déjà, les taxes, je vous explique. Ici, en France et en Europe, les prix, c'est les prix. Voilà, vous achetez un jean à 20 euros, vous arrivez à la caisse, c'est 20 euros. On est d'accord. Vous achetez un jean là-bas, 20 dollars, vous arrivez à la caisse, c'est 25. Pourquoi? Alors en fait, donc tout est écrit hors taxe. Tout est écrit hors taxe. Et c'est à la caisse qui vous rajoute les taxes. Alors ça dépend des villes et des états dans lesquels vous êtes. Ça peut être 2 dollars, comme 5, comme 10, bon, peut-être pas à ce point, mais ça dépend vraiment en fait des états, donc je peux pas vous dire. Mais vous rajoutez quelques dollars à chaque fois. Donc faut le savoir. Pareil pour tout, hein, même pour les hôtels. Voilà, si vous réservez, donc il y a écrit toute taxe comprise, ok. Mais en général, c'est pas le cas. Donc, vous devez payer en plus des taxes là-bas. Quant au pourboire, alors les États-Unis, c'est assez spécial. Ils comptent énormément sur les pourboires pour compléter leur salaire, qui est pas énorme. Donc c'est normal aux États-Unis de laisser des pourboires, même si vous allez avoir un guide. N'importe qui en fait, il faut lui laisser 1 dollar minimum, hein, vous pouvez laisser plus, mais même la femme de ménage dans votre hôtel, il faut lui laisser 1 dollar. Rien n'est obligé, mais c'est vraiment normal aux États-Unis. Si vous ne le faites pas, vous êtes très mal vu. Nous, je sais qu'on l'a fait l'année dernière. On était allé dans les Everglades en Floride faire des tours de bateau où il y a les alligators. Ben voilà, on laisse un pourboire au guide, on laisse un pourboire au conducteur de bateau. Enfin, c'est pas énorme, mais vraiment ça les aide. Ensuite, donc en parlant d'argent, l'argent est totalement différent de l'euro. Forcément, déjà, c'est des dollars. Très peu de pièces. Et il y a beaucoup. Tout marche au billet de 1 dollar. Alors, vous savez, 1 dollar, ça vaut 80-90 centimes français. Imaginez avoir un billet de 90 centimes français. Pourquoi? Mais là-bas, c'est normal. Voilà, vous laissez justement 1 dollar, 1 dollar, 1 dollar. C'est des billets, vous laissez ça comme pourboire. Et le maximum c'est 100 dollars. Voilà, c'est pas comme nous, c'est 500 euros. C'est pas la même chose. Donc vous allez avoir beaucoup plus de dollars sur vous. Ensuite, le 4, donc la nourriture. Alors, la nourriture, il y a des pour et des contre. Alors, les contre, c'est que c'est très gras, très sucré. C'est énorme. On est allé dans un McDo, j'avais juste pris un Fanta. Il était fluo. Si j'ai une photo, si je retrouve la photo, je vous la mets. Il était fluo. Tellement qu'ils avaient mis de colorants et de bêtises dedans. Et il était pas bon en plus. Hein. Et les cafés. Les cafés, n'en parlons pas. Alors ma copine est accro au café.
le bon café, hein, voilà, le bon café, Nespresso, le café italien, vous voyez. Aux États-Unis, vous avez dû voir dans les séries et dans les films, ils ont des espèces d'énormes carafes remplies de café qui vous servent comme ça. En fait, c'est honnêtement du jus de chaussette. C'est même pas buvable. C'est, voilà. Donc préparez-vous. Si vous aimez le café, allez au Starbucks. Vraiment, ça vous sauve là-bas. Ça vous sauve et c'est pas cher en plus. C'est pas comme en France. Ça nous a sauvés aux États-Unis. Parce que quand même, un mois, enfin, 3 semaines sans café, c'est un peu difficile quand on en boit beaucoup. C'est pas mon cas. Ma copine qui en boit beaucoup. Mais le café est absolument horrible. Alors, donc ça, c'était le négatif de la nourriture. Il y a aussi quand même beaucoup de positifs et des choses folles qu'on peut goûter que là-bas. Vraiment, bon, je sais pas, je vous donne un exemple, des milkshakes de fou avec des gâteaux, des bonbons, des trucs, je sais pas, des énormes donuts, des choses folles, des hamburgers spéciaux, des choses vraiment que vous trouvez que là-bas et qui est waouh. Un autre fait très étonnant quand vous allez aux États-Unis, c'est des voitures automatiques. Déjà, c'est très différent des manuels. Après, on s'y fait. Honnêtement, on s'y fait. C'est comme un jouet, si vous voulez. Avance, stop, recule. Voilà, c'est assez simple. Mais aussi, les routes, déjà, c'est toujours tout droit. Toujours tout droit. Il n'y a pas de rond-point ou très, très peu. Toujours tout droit. Énorme route de 4-5 voies. Tout truc de fou. Donc, c'est assez simple, finalement, de conduire là-bas. Et aussi, il faut savoir qu'on peut tourner au feu rouge à droite. Il faut le savoir parce que sinon vous me faites klaxonner. Autre chose très importante, les Airbnb ou location d'appartement, peu importe le site, c'est interdit. 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 Si vous vous retrouvez à la rue, aux États-Unis, en plus à faire des activités illégales, je ne vous conseille pas d'être en illégalité aux États-Unis parce que ça rigole pas là-bas. Donc. Non, c'est interdit si vous restez moins d'un mois. Forcément, vous restez moins d'un mois dans un appartement aux États-Unis. Alors, vous pouvez risquer, hein, il y en a beaucoup qui risquent. Mais. C'est illégal. Donc, si vous avez peur de rentrer dans votre appart, peur de sortir, les voisins vont me voir, vont dénoncer, ça sert à rien. Alors, honnêtement, ça sert à rien. Vraiment, c'est mieux de pas être dans l'illégalité aux États-Unis. Enfin, moi, j'ai jamais. Voilà. On y retourne, non, on prend que des hôtels, c'est comme ça. En plus, c'est pas beaucoup moins cher les Airbnb, donc pas trop d'avantages finalement. Ah, en parlant de location, d'hôtels, etc. Donc il y a une différence entre les hôtels et les motels. Alors, ce que vous voyez dans les films, dans les séries, c'est des motels. Donc en général, c'est pas cher, mais c'est pas très très bien fréquenté. Donc il faut faire attention, c'est mieux d'aller dans des hôtels connus ou pas d'ailleurs, hein, vous regardez sur internet qui est des bonnes notes, parce que en général les hôtels sont comme des motels, si vous voulez vraiment la location typique avec la piscine au milieu et avec voilà les rangées sur les coursives, donc toutes les portes et tout vraiment à l'américaine, ben, c'est des hôtels aussi qui sont comme ça. Donc c'est mieux par précaution d'aller dans les hôtels ou des très bons motels. Voilà, c'est pas toujours très bien fréquenté ou très bien entretenu non plus parce que l'hôtel n'a pas beaucoup d'argent, enfin le motel n'a pas beaucoup d'argent. Donc il faut faire attention, faites attention à ça. Moi je conseillerais des hôtels ou des très bons motels. À San Francisco, nous on va aller dans un motel, mais un très très bon. C'est genre un motel étoilé, voilà. Donc faites attention. Alors, en 8, je sais que c'est très bizarre de faire un point entier sur ça, mais les douches, c'est la première chose que mon père m'a dit en rentrant des États-Unis. C'est quoi ces douches? Alors les douches, donc aux États-Unis déjà, donc c'est encastré dans le mur, vous voyez, donc vous pouvez pas enlever le pommeau de douche. Déjà vous devez toujours vous tremper entièrement, déjà ça c'est un point négatif. Et pour eau froide, eau chaude, on ne sait jamais comment ça marche. Des fois c'est des ronds à appuyer, à tourner, d'un côté t'as le chaud, d'un côté t'as le froid, mais c'est pas logique, il n'y a rien de logique là-bas. Je sais pas, leur problème avec les douches, c'est très compliqué, très 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 compliqué.
Et c'est pas intuitif, hein. Vous pouvez pas dire oh je vais deviner comment ça marche. Non non non, vous vous cramez, vous vous gelez. C'est une catastrophe les douches américaines. Toutes hein, toutes, parce que moi j'ai fait beaucoup d'hôtels, mon père aussi, et il n'y en a pas une pour rattraper l'autre. Bon, c'était important, petit neuf, alors c'est très important. L'assurance. Alors, l'assurance et les frais médicaux. Ne soyez pas malade aux États-Unis. Dans tous les cas, si vous êtes fragile ou pas, prenez une assurance santé qui ne vous coûte rien ici, je sais pas, 40 euros par personne, quelque chose comme ça, et qui peut vous faire économiser des milliers d'euros. Des milliers, oui. Une consultation normale chez un docteur, c'est minimum 100 dollars. Juste qu'il vous regarde si vous toussez ou si vous avez de la fièvre, déjà, hein, pas remboursé, pas rien du tout. Si vous faites une prise de sang, 800 dollars. Ok, si vous êtes hospitalisé, c'est la fin des haricots. C'est minimum 1000 dollars la journée, en plus, hein, bien sûr. Donc vraiment, même lui, il est choqué, il s'en bat. C'est trop cher aux États-Unis. Non, il faut vraiment, vraiment, vraiment prendre des assurances parce que vous savez pas ce qui peut arriver. Mais même, enfin, je sais pas, vous tombez ou vous cassez le bras. Je sais pas, vous en sortez avec 5000 euros, quoi, je sais pas. Alors que si vous avez l'assurance à 40 euros, ben vous êtes tout remboursé. C'est quand même très très important. Et alors, dixième point, et pas des moindres, donc un point positif, très positif, qui peut surprendre aux États-Unis, les gens sont gentils. Oui, je vous assure, ça peut surprendre au début, ça peut surprendre, surtout si vous venez de France, du moins dans le sud, vous êtes très surpris quand les gens sont aimables avec vous. Vraiment, les Américains sont adorables, tous adorables. Dans les supermarchés, de partout, ils sont adorables, ils vous sourient tout le temps, ils vont vous aider. Ils sont mais extraordinaires. Le caissier va vous demander comment vous allez, si vous passez des bonnes vacances, d'où vous venez. C'est extraordinaire, c'est même, je me souviens l'année dernière à Disney, c'est rien, c'est une petite anecdote, mais on était à Disneyland. Dans un manège, en plus, dans un manège. Et une femme devant nous se tourne avec son enfant, tous les deux ils se tournent. Oh, on entend que voilà, vous parlez pas anglais, nous disant d'anglais tout ça bien sûr. Oh, on entend que vous parlez pas anglais, d'où vous venez et tout. Donc on me dit bah la France. Bon, ma copine est écossaise mais on vit en France donc c'est pareil. La France, oh mais c'est super. Et tout ça avec le manège qui roulait. Hein. C'est super et tout, profitez bien, oh, on adore la France. Enfin, c'est des choses bêtes mais ça se passe pas ici, ça se passe pas du tout. Les gens vous poussent dans les parcs d'attractions. Enfin, tout ça pour vous dire que les États-Unis c'est extraordinaire et il y a beaucoup d'autres choses qui sont surprenantes là-bas qui ne viennent pas à l'esprit, mais c'est vraiment, tout est gigantesque, tout est extraordinaire, tout est waouh. Alors on aime ou pas la politique, voilà, le rêve américain, ça plaît ou pas, mais on peut pas enlever que les villes, les canyons, tout ce qui y est extraordinaire, le Pacifique, tout est magnifique et quand même un pays à découvrir, donc je vous le conseille. Et vous verrez avec mes vlogs que c'est vraiment beautiful. Donc sur ce, je vous mets mon Instagram ici. Oui. Au cas où si vous voulez me suivre dans mes voyages aux États-Unis ou mes voyages pas aux États-Unis ou même dans mon quotidien. Et aussi abonnez-vous, ça me ferait vraiment vraiment plaisir. C'est des petits carrés rouges en bas. À bientôt.